Salut à tous, bienvenue dans la rubrique Arpège. Cette fois-ci, quelques exemples blues à jouer au doigt. Premier exemple. Voilà un exemple basé sur l'utilisation des sixtes. C'est pour ça que jouer au doigt, c'est avantageux parce qu'on joue les notes parfaitement en même temps. Donc, pas hésiter à attaquer franchement les cordes pour faire claquer les cordes. Et petit effet percussif. Donc, la main qui vient taper sur le micro. Voilà pour ce premier exemple. L'exemple 2, à nouveau à jouer au doigt, en mi toujours. Voilà pour ce petit exemple où la caractéristique c'est qu'on joue en fait une ligne de basse tout en jouant petites harmonies, une petite partie mélodique dans l'aigu. Donc le but c'est de dissocier bien le mouvement de la basse de ce qu'on fait avec les autres doigts. Voilà l'avantage de jouer aux doigts justement. Troisième exemple aussi, un exemple en picking un peu bluesy. Voilà pour ce petit exemple qui est picking, donc un peu inspiré de ce que fait Chet Atkins, qui n'est pas un grand guitariste de blues, mais qui a parfois certaines influences tout de même. Donc basse alternée avec le pouce, quelques positions d'accord un peu inhabituelles, et l'emploi de cordes à vide aussi, notamment pour cette figure de fin. Il donne quelques harmonies intéressantes. On va enchaîner avec une grille de blues un peu jazz qu'on va ensuite enrichir. Exemple 4. Voilà pour cette grille un peu jazzy. Les positions sont relativement simples. L'important, c'est de rester bien carré. On part sur un accord de mi majeur septième, donc la septième majeure, la sept, position assez classique qu'on va maintenant enrichir pour donner une grille un peu plus intéressante. Si vous accompagnez une grille, un musicien de jazz, il aimerait bien que vous enrichissiez un peu la grille. Donc, on va s'employer à rajouter quelques accords de passage.
Voilà, grille enrichie, pas mal d'accords de substitution, de passage, entre donc après le La 7, un petit La dièse diminué, entraînez-vous à regarder ces accords, à bien les écouter, par exemple à la place du Si septième, qui est l'accord de dominante de Mi, on peut mettre le Fa dièse à la basse et on peut descendre ce Fa dièse encore d'un demi-ton, ce qui donne cet accord assez intéressant, où il y a en fait par exemple le Ré dièse qui va aller sur le Mi qui est la tonique, et il y a aussi le Fa bécart qui est aussi un demi-ton, mais au-dessus. Donc il y a une note qui va vers le Mi un demi-ton par en dessous, et une note qui va vers le Mi un demi-ton par au-dessus. Et c'est ça qui sonne de façon intéressante. Donc, amusez-vous à regarder ces accords, prenez le temps de les écouter. Et bien entendre chaque note, apprécier la richesse harmonique, tout simplement. C'est assez intéressant à faire. Voilà pour ces exemples blues joués au doigt. Là encore, l'idée, c'est de vous donner des pistes, d'explorer de nouvelles choses qu'on ne travaille peut-être pas habituellement. Et le but, c'est de s'amuser aussi. Donc amusez-vous bien avec ces exemples. Et on se retrouve dans la prochaine rubrique arpèges. Salut à tous!